essayer d'arrêter. Ah ouais, là c'est ta cour là. Ma cour. Mais là j'ai fermé parce que va pas te faire mal avec la toile. Voilà. C'est parce que mon chien il va dedans et malheureusement tu sais que le, c'est la mauvaise période là et j'ai commencé à avoir des rats, chose que j'avais pas avant. Et pour pas que le chien il vienne bouffer le poison des rats, ben j'ai pas envie de perdre mon chien pour des coques quand même. Donc j'ai barricadé. Ça c'est archi prêt aussi ça. Ça c'est prêt à jouer, c'est les deux qui sont prêts tout de suite. Donc, c'est celui de l'année dernière, ça c'est des poulets que j'avais gardés l'année dernière inédits, ils n'ont jamais joué. Parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur poids et là cette année ils sont super bien au poids. Ouais, c'est un peu un handicap alors. Ouais voilà, voilà. Après faut pas jouer à chercher, malheureusement pour des fois pour 100 grammes tu passes une catégorie. Il vaut mieux attendre qu'il en prend à attendre longtemps ou bah, soit tu prends le risque, mais bon tu prends le risque s'il gagne ça va, mais si tu prends le risque qu'il a perdu, tu le sais un petit peu avant quand même. Donc voilà. Et là après c'est que des jeunes. Tu vois, bon là il a peut-être peur parce qu'on a ouvert en plein jour, mais celui-là, je veux dire, quand je m'as mangé celui-là, en plus je suis content parce que j'avais acheté le père pour faire le combat et malheureusement il m'a fait un coup de sang le père, donc j'ai mis à l'élevage. Bon c'est de ma faute, hein, j'ai trop chargé. Et puis il m'a fait un coup de sang, donc malheureusement j'avais acheté le coq pour rien et puis il m'a fait des super poulets, donc j'espère que cette année je vais être récompensé. Après au niveau des paris, ben, y a pas, tu paries main à main dans une arène avec les gens qui sont opposés de toi, mais il n'y a pas de... Normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas de qui esquive la perte. Le gars, il sait qu'il a parié avec toi, il va venir l'argent, elle passe à travers les gens et tu récupères ton argent. Tout ça, c'est réglementaire, on est d'accord. Hein. C'est réglementaire. C'est comme, je vous dis, c'est comme la corrida. Je l'ai déjà dit à chaque fois, on le dit. Si bien le jour, il n'y aura plus de corrida, il n'y aura plus de coq. Il y en a plein qui se battent pour les arrêter. Je suis d'accord, mais bon, c'est des traditions. Après, on n'arrive pas à faire entrer ça dans la tête des gens. On va tout maintenant, si bien la France, c'est ça. Il faut tout interdire. Donc voilà, ça peut être qu'un jour on interdira tout aussi, je vous dis, il faut une autorisation pour faire tout maintenant. Mais bon, encore, il faudra peut-être payer pour pouvoir, vas-y, c'est toujours, payer, c'est dans la vie de la France, c'est ça, payer pour avoir quelque chose. Voilà. Bon alors Christopher, on est devant la discothèque Le Rex à Roye. Ouais, ça c'est un projet que j'aimerais bien avoir, c'est si les courses attendent à la birdouille comme on dit, puis il y a longtemps que ça me travaille quand même, c'est d'ouvrir une guinguette dans cette discothèque là. Et ça c'est un truc qui me tient à cœur et puis c'est un projet que j'ai parlé à plusieurs personnes et puis il y a une personne qui m'intéresse beaucoup dans ce truc, c'est Colette Chassagne, parce que Colette elle joue super bien l'accordéon et je pense que avec une femme comme Colette et puis des orchestres aux alentours on peut faire un super truc. Et tu crois que Jean-Luc il va être d'accord? Jean-Luc, ça va être le premier spectateur. Super. Là, même la terre. Par contre, après, vous ne pouvez plus aller en le vestiaire. Maintenant. Parce que là, je vous ai fait venir ici, mais vous ne pouvez pas les filmer dans le vestiaire. Là, non, encore derrière? Non, tout ce qu'il faut. Oublier, en fait. T'as pas le droit de débarrasser la barrière. Là, on n'a pas le droit. Non, mais là. Si, t'as le droit, Quand vous êtes en bord terrain, là, je vous travaillez où vous voulez. Eh ben, on va y aller comme ça, merci. Il n'y a pas une glacière comme. C'est quoi cet avion de chasse? Alors, c'est sur des Ferrari aussi. Ah. C'est rouge. Mademoiselle, on a vu votre culotte. Dieu. Bon, Christopher, on n'est pas au stade Bollard, mais on est au stade de la Licorne. On va voir un de tes clubs phares, et c'est le Racing Club de Lens. Ouais, Racing Club de Lens, les 100 et or, et ben là, c'est nos racines. Hein. Mais c'était quoi le déclic? Ben, d'être toujours au contact du cheval, et puis après, j'ai connu les bling-bling, hein, des belles choses, faut pas dire de bêtises. Donc, le monde des courses, quand ça va bien, il y a des belles choses quand même. Donc, ben j'ai pris cette tournure-là. On fait le... Ah merde, attends. On va faire un truc plus léger. Les interviews, fin de phrase. T'as vu l'autre coup avec Pierre Verva, je commence une phrase et tu la termines. Ouais, essaye. C'est pas facile, alors non, essaye. On peut le faire humoristiquement, ouais, très sérieusement. Si c'est pas bien fait, tu couperas. Voilà, et on refait même si tu veux. Vas-y, bouge pas, c'est bien. Là. Ah, les gars, vous en profitez pour moi là. Ah, mais c'est pour ça qu'on a demandé de tourner. Ah, moi je suis quand même, je suis sympa, j'ai filmé pour les copains. Hein. Mais le Racing Club de Lens porte les couleurs Ferrari. J'aime bien aller à Vincennes parce que. Parce que c'est le. Voilà, c'est le stade Bollard de chez nous, Vincennes, c'est l'hipporome qui est magnifique, puis il y a beaucoup d'oseille.
Si on disait toujours ce qu'on pense, ça... Alors, il y aurait peut-être la guerre, hein. Des fois, je suis un peu trop sec, hein, mais je pense que c'est bien de temps en temps secouer un peu le prunier, comme on dit. Si j'étais le grand patron des courses, ma première mesure serait... De protéger les petits entraîneurs qui ont des propriétaires qui ne payent pas, parce que là, je pense que, je parle pour la direction même, on n'est vraiment pas protégés, et là, les gars, on va à la cabane sur le chien, peut-être pour le monde des courses, mais d'avoir fait rentrer des propriétaires qui ne nous payent pas, la société ne nous protège pas. Le galop, eux, ils sont protégés, nous, on n'y est pas. Et je le dis bien fort, moi, je triche pas, moi, je suis abonné avec l'origine que j'ai, les chevaux que j'ai, le meilleur doping pour moi, c'est la Walsh. Si je n'aimais pas mon métier, alors? Bah, je serais pas là, hein. Je repartirais à vendre des cacahuètes sur les marchés. Hein. Donc, non, j'aime ce que je fais, je suis passionné de ce que je fais. Impeccable. Après, il y a des trucs, voilà, tu changeras. Non. Bah, l'écurie a commencé déjà, j'ai pas été bête. Hein. Quand je me suis mis à mon compte, Guy Verva m'a toujours gardé sur son épaule en prestation de service. Ça m'a mis super bien, parce que quoi qu'il m'a peut-être pas donné ses clients et puis des chevaux à courir, soit ce que personne, je le ferais pas non plus si ça m'arrivait, mais le gars, il m'a pas lâché dans la nature, il m'a laissé toujours en prestation le temps que j'avais envie. Donc j'ai eu ça, j'ai eu la moitié de mon écurie, donc je faisais des heures à mourir, puis ben, j'avais pas une bonne écurie, puis 6 mois après j'ai eu une écurie avec des chevaux qui tenaient la route, des chevaux de série, hein. Déjà d'entrée j'avais des chevaux de série au bout de 6 mois, Long Life, après je suis tombé l'année d'après sur Look At Me, je suis tombé sur Nabab Dupont, Nifan Saint-André, dans l'allée des culs, après je tombe sur que des bons chevaux, donc après c'était parti. On parle de la presse, mais moi je l'achète pas, mais j'aime bien y apparaître. Et j'étais dans le top 50 des entraîneurs pendant un moment, et là, ben, je suis parti des abonnés absents, ça me vexe un peu quand même. Donc je vais me battre pour y revenir. De quelles questions aimerais-tu avoir la réponse ? Ben, que sur notre avenir, dans notre milieu. Que les gens qui sont là-haut bien placés, qui savent comment ça va tourner, ben, qu'ils avaient un jour passé un... Pas faire que de l'intermédiaire, vraiment dire vraiment ce qu'ils pensent, parce qu'aujourd'hui on parle à un mur, personne bouge. Faut arrêter de faire rêver les gamins qui se lancent. Nous on est déjà partis, on dit qu'on va être malheureux. Mais alors moi je ferais pas investir les jeunes, parce que moi je m'en fous, j'ai pas de financement. Demain j'arrête, j'ai que des locations. Mais le mec qui investit toute sa vie dans une location, dans un bâtiment, c'est pas logique. Il faut prévenir ou faut avertir les gens, c'est tout je pense. On a eu la TVA qui nous a mis, ben, on n'a pas manifesté déjà là, ben, on s'est roulé par terre. Il fallait se bouger avant, hein. Les clubs hippiques, ils ont été plus forts que nous. Ils sont restés à 7,5 et nous on est à 20, donc on est mort. On n'a pas su déjà là bouger, on laisse toujours tout faire. Et je pense que non, il faut se bouger. Ouais. Vas-y. Tu peux te jeter de reculer. Hein. Oui, je crois qu'il l'entend aussi. Galeux, il tient même pas la tenir la caméra. Hey. Il va pas la faire tomber. Hein. Galeux, il gratte les couilles en plus. Il y a des bébés dans le ah oui, il ben, y a de la Ferrari, là, ben, de la Ferrari. Hein. Je vais venir plus souvent ici. Ah, mais faut venir au stade. Hein. Après, tu vois que je me répète, t'enlèves les choses que je me répète, que ça ne peut pas se prendre un guignol sur Internet, parce que là, ils vont me zébrer. Hein. Tu fais semblant de parler, de toute façon. Vas-y, ouais. Vas-y. Est-ce que tu la bourrerais, la bébé? Ouais. Je sais pas, elle doit être attelée, hein, mais que... ça va aller. Est-ce que tu lui donneras un bol de sperme? t'as pris dur, t'as l'air. Hein. Le mieux, c'est ma femme, elle se rigole tout le temps. Elle doit lui dire, je l'ai le guignol à la maison. Et il pense que c'est... J'ai un truc qui est tout bête chez moi, c'est que même le poulain ordinaire ou moyen, je fais pas d'hôtellerie, donc je vais le sucer jusqu'au bout pour que le client, bah, il dépense pas l'année des 5 et 6 ans, et bah, qu'il passe à autre chose. Comme ça, bah, pendant 4 ans, il a gagné du pognon, moi aussi, puis après, on est passé à autre chose. Donc c'est un peu... c'est que le cheval, bah, il devait faire une petite carrière, puis c'est tout. La ferme, la confiance. J'étais chanteur avant. Voilà. Christopher, ton pronostic pour ce soir? On va gagner 1-0. Ils vont venir voir l'air de chez nous, les Bordelais. C'est déjà pas mal. On va 3 contre 2. Donc l'euphorie, c'est bien, mais il faut se protéger aussi. C'est ce qu'on n'a pas été capable de faire. Donc j'allais dire victoire du réalisme bordelais ce soir. Voilà. C'est un entraîneur de trotteur. Vous avez bien connu ça? Sérieux? Ouais. Ouais. Merci beaucoup. C'est dans les feux de course, c'est pour ça, je tiens. C'est tout ici? Ouais. Non, c'est vrai, c'est par ici. Il y a un kiff de à côté de Nantes. Okay. J'ai toujours supporté des couleurs de Nantes. Et j'ai trouvé votre interview super. Ah, c'est bien. On a bien parlé. Ouais, on fait c'est votre comment on dit, collègue, comment c'est l'attentat? Il n'a pas été tricosant, donc je... Non, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, ça y est, il n'y a pas... Vous avez bien raconté, bien parlé. Il n'y a
Bah, j'ai les tournées. Non, c'est bien, vous avez raison. La saison va être... Oui, il faut s'accrocher. Ouais, bon, allez, bon courage en tout cas. Bonsoir, ça va. Damien, si je dis que Uppercut de Manche, c'est l'un des meilleurs chevaux de Vincennes en ce moment, tu me dis quoi ? Bah, je dis rien, c'est la vérité, il l'a fait voir à plusieurs reprises. On peut dire en plus qu'il échoue très peu pour la deuxième place. Oui, bah, y a ma collègue qui est venue, qui est venue en dedans, il pousse à droite pour finir, mais bon, deuxième course de rentrée, c'est bien dans des belles courses comme ça, voilà. Il y a tout à fait encore de mettre un plat ventre pour venir chercher la deuxième place. Il faut prendre un vol critique ici au numéro 5. Moi je suis pas surpris du tout, hein. C'est pas moi, moi j'ai rien inventé, le cheval il est bon. Je l'entraîne juste parce que Max m'a demandé de l'entraîner à la campagne et c'est tout, mais c'est un très très bon cheval, il l'a déjà prouvé avant. Bon alors on passe un petit coucou à Max qui nous écoute, c'est sûr. Et on va parler également du cheval maintenant parce qu'il fait quasiment son tour de piste 12. C'est des temps de Cornulier et on y pense peut-être déjà. Peut-être qu'on va y penser, on n'a pas les gains. Peut-être plus l'Île-de-France, c'est le vrai vrai cheval de 2100. Bon bah là il l'a bien fait 2007, mais 2100 il est encore meilleur. On va pas s'affoler, là on va le recourir à l'attelage, on va voir avec Max ce qu'il en pense, mais moi je pense qu'il faut qu'on recourra à l'attelage et monter qu'à bon escient. Charles, le numéro 12 qui est présent, et sa charme, vous n'avez pas pu assurer une participation au dernier Grand Prix d'Amérique. Bravo, bravo. Merci. Bien, réclamé en tête, il y a une chance. Il a bien né, hein. Oh, on vient d'être Dijon. On vient très sympa. La famille, Adam, la famille Dijon. Les différentes générations ont commencé. Et quand on court aussi bien que ça dans une préparatoire après l'Amérique, est-ce qu'on y pense ou pas du tout ? Ce serait drôle qu'il court avec son père, mais il n'est pas encore qualifié, elle peut l'être. J'en ai parlé à personne. On a travaillé le cheval tous les deux jours, des lignes droites, des lignes droites, des lignes droites, et le cheval très 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 bien, très 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 souple. J'en ai parlé à Thierry Duval-Destin, qui n'a pas percuté tout de suite, qui m'a rappelé le lendemain, il l'a marqué dans le turf. Et puis Méliego, on essaye le challenge. Mais c'est le cheval qui commande, on essaye. De toute façon, ce n'est pas un caprice de propriétaire ou de copropriétaire, parce que le cheval n'est pas qualifié. C'est pas comme si on a décidé de courir près d'Amérique, puisque nous ne sommes pas qualifiés. Donc il faut passer par le biais des qualifications, des trois courses, des trois B qui restent. Donc c'est un challenge dans le challenge. Voilà. Ouais, c'est digne d'aller. Et je ne vous crois pas assez fou pour venir, pour faire revenir le cheval en compétition si vous n'étiez pas sûr de votre coup. Vous me répondez quoi ? Je réponds que je suis fou, de toute façon. Ça, c'est une chose, c'est un fait, tout le monde le sait. Honnêtement, le cheval est plus jeune que l'hiver dernier. Le cheval est rafraîchi, c'est le cheval qui commande. Mais non, si on court, c'est pas pour faire le défilé, quoi. Je vais vous dire, franchement, on court pour le qualifier, puis pour faire un show le dernier dimanche de janvier. On ne veut pas finir au galop comme il a fini l'hiver dernier, voilà. Dernière question, piège, malheureusement. Qui sera le driver ? Je pense que c'est Franck Nivard. Voilà. Je te laisse appuyer sur la touche play. Et puis, bah, on va vivre la course comme toi tu le sens, hein, tout simplement. Alors, ça part pas. Non, ça veut pas. Je te laisse appuyer sur la touche play et je te laisse commenter également la course comme tu l'as vécu au sulky. Et là, c'est un peu le tournant de la course. Ouais, hein. Voilà. Disons que là, il y a le jour qui se fait en dedans derrière Holmholt. Donc du coup, bah, je prends son dos parce que je pense que c'est un meilleur dos que celui de Rêve de Bélève. En plus, Texas Charm qui vient le relayer, donc j'ai dit même Texas, normalement, bon, il devrait nous emmener un peu. Et puis malheureusement, le cheval à Christophe Martens a affaibli assez tôt. Il va falloir que tu t'achètes des lunettes. Exactement. On a Jérémy Caillot qui nous demande « Que penses-tu du retour possible de Ready Cash ?» Christophe, Holmholt, c'est une déception. Deux petites choses. Est-ce qu'il a la pointure et est-ce que tu as fait trop fort ? Non, je n'ai pas fait trop fort. Maintenant, la pointure, il n'a peut-être pas 100%. Maintenant, il vient de sortir d'une longue saison aussi. Donc, c'est peut-être ça parce que je suis venu quand même facilement en tête. Aujourd'hui, on m'a laissé passer. Après, ce ne sera plus le cas. Donc, maintenant, il faut revoir les plans. Il faut regarder si on fait un break ou s'il y a quelque chose qui cloche. Bon, je pense qu'on est peut-être en dessous de eux, ça c'est sûr et certain. Donc, mais bon, il a fait une superbe saison. Maintenant, on a voulu essayer de prendre des points. Maintenant, si on voit que ça ne va pas, on ne va pas forcer l'affaire. Et on va regarder pour repréparer pour l'année prochaine, mais c'est Vincent qui va décider tout ça. Est-ce que c'est une déception alors ? Non, ce n'est pas une déception.
Non, parce que s'il n'aurait rien fait de toute la saison, ce serait une déception. Maintenant, c'était un challenge pour nous aussi. Maintenant, non, je trouve pas que c'est une déception. Maintenant, c'est sûr qu'on préfère être à l'arrivée. Mais je suis venu devant, j'ai pas fait méchant. Jean-Mi, Eric, ils m'ont laissé passer gentiment. Après, on n'a pas le gaz d'il y a 2-3 mois d'ici, c'est tout. Maintenant, en plus, il y a des chevaux qui sont frais, qui viennent à la compétition, et nous, on est un peu défraîchis, et voilà quoi. Donc, le cheval n'était pas dans un grand jour, il n'avait pas de gaz du parcours. Donc, c'est trop mauvais pour être exact, quoi. En début de semaine, on a appris le retour de Reddy Cash à la compétition. Franck Nivard était son driver attitré, il est également le driver d'un mec des Ripres. Est-ce que t'es dans une situation un petit peu délicate là ? Non, pas délicate. Faut respecter le choix à Franck, hein, c'est normal. Hein, c'est lui. Ça veut dire qu'il a choisi Reddy Cash ? Bah, je sais pas ce qu'il a choisi, j'en sais rien. C'est pas à moi de lui dire ce qu'il a à choisir. Il doit faire son choix et je pense que c'est important de respecter son choix aussi. Hein. C'est un driver, il n'est pas là pour. Il n'est pas là pour perdre des courses, il est là pour en gagner. Donc voilà, il va choisir le cheval qui va être certainement au meilleur moment en pleine forme, ce qui est normal. Hein. Je serai à sa place, je ferai pareil, je ne m'occuperai pas si c'est un mec guéri près ou un Cash. Donc voilà, il faut respecter son choix. Et puis en fonction de ça, eh ben, voilà, on choisira soit Franck, du moins lui, s'il ne veut pas mener le cheval, on trouvera quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Tu as une idée du quelqu'un d'autre ? Eh bien, le quelqu'un d'autre, ça sera Pierre Lévesque. Voilà. Not sure I understand. Not sure I understand.